votre avis là, ces questions d'élection, ces questions d'élection. Tout le monde connaît, elle n'est pas changée. 7 février 2026, Conseil présidentiel là doit remettre à pouvoir ensemble avec le président élu. Mais aussi, le Conseil présidentiel là gagne un mandat pour être capable de faire l'élection pour toutes leurs postes électifs. Et c'est dans le cadre de ça que nous visitons CEP aujourd'hui, qui traduit volonté pour travailler coude à coude ensemble avec le Conseil électoral là pour l'élection capable de faire dans le temps qu'il fait. On connaît déjà que pour le moment, l'institution existe, mais le collège, le conseil, le a référé pour le conseil électoral là, de telle sorte que dans le mois de juin, nous gagnons un conseil normalement qu'il a. Ce conseil là, quoi, et moi-même surtout, en tant qu'ancien conseil électoral, ce n'est pas l'élection qu'on a faite, et puis c'est le ça, on a le metté le conseil sous pied. Donc, bien le travail que vous faites, je parle ensemble avec l'exécutif, je parle ensemble avec le cadre encore du conseil électoral, avec un pile de travail que vous faites, et travail sérieux, il mérite à ce qu'il y ait un conseil qui est en place, qui est capable de faire travail sérieux ensemble avec vous. Donc, maternité là, c'est première visite, conseil présidentiel là, il est monté, c'est pas dernière visite, tout, on a toujours été capable de visiter eux. Et bien sûr que toute bagaille capable de remplacer rapidement et puis de telle sorte que l'année prochaine, par exemple, capable d'être en Haïti, il y a un véritable chantier électoral pour nous capables d'arriver avec date que nous disons 7 février 2026. Et au bail, l'alliance qui a continué par nous, il a fait tout ça qui dépend de nous, de côté de nous. Pour nous capables de travailler ensemble avec eux. Et surtout que nous connaissons aussi que nous, le conseil présidentiel il y a peine nommé le docteur Gary Conley comme premier ministre de la transition, a rapidement monté ensemble avec lui le gouvernement pour nous capables de travailler ensemble, les droites, parfaite cohésion, pour nous capables de mettre le TPIA sous voie stabilité et le TPIA aussi de tout le président. Et le Parlement et tout leur poste qui doit être élu dans le pays. Merci beaucoup de ce que nous avons fait déplacement pour nous être capable de venir et assister ensemble avec Visite Sahara pour nous terrain ensemble avec le Conseil électoral là. Nous remercions sincèrement et nous connaissons toujours ensemble avec nous la presse, nous sommes en ville et nous parlons ici du travail sur la presse. C'est peut-être ça bientôt, dans un petit temps pour tout le monde. On est officiellement le porte-parole que le Conseil présidentiel l'a nommé. C'est le même qui va aller pour faire compte ensemble avec vous et qui a toujours été en communication avec vous pour nous tout ça qu'a fait, tout ça qu'a passé dans le Conseil. Nous parler, faire un lien sans nous-mêmes, nous parler, quitter nous derrière, nous voulons informer nous sur tout ça qu'a fait dans la plus grande transparence pour la presse et population capable de connaître tout ça qu'il veut faire. Merci beaucoup d'être là. Et bon Dieu bénis nous et bon Dieu bénis nous. Saluer toute presse parlée, télévisée, écrite, qui est en place aujourd'hui.
visite ça en CEP jeudi à c'est les traduit témoignage conseil présidentiel là et pour nous capables avancer rapidement avec tout ça qui dit encore trois villes et une nan bagaille qui gagne un chantier qui est très important et non encore trois villes là c'est question élection c'est question élection tout le monde connaît et les papes changer 7 février 2026 conseil présidentiel là doit remettre à pouvoir ensemble avec un président élu mais aussi conseil présidentiel là gagner mandat pour capable faire à élection pour toute notre poste électif et c'est dans le cadre de ça nous visiter CEP Jodia qui traduit volonté pour le travail coup à coude ensemble avec le conseil électoral là pour l'élection capable de faire dans le temps pour le faire. Nous connaissons déjà que pour le moment l'institution existe, mais le collège, le conseil de 9 membres qui doit diriger le conseil électoral là, l'IPOCO là. Et c'est le conseil présidentiel là a travaillé rapidement, semaine ça même, qui va venir, nous va commencer à écrire Jean Laloi dit là. Ensemble avec différents secteurs qui doivent référer monde dans le conseil là pour écrire pour demander voyez monde que ils doivent référer pour le conseil électoral là de telle sorte que dans le mois de juin nous gagnons un conseil normalement qui là parce que le conseil là quoi et moi même surtout en tant que ancien conseil électoral c'est pas l'élection qu'on a faite. Et puis c'est le SAA pour nous mettre un conseil sous pied. Dans pile travail que vous faites, nous sommes parlé ensemble avec le directeur exécutif là, nous sommes parlé ensemble avec un pile l'autre cadre encore du conseil électoral, avec un pile travail que vous faites. Et travail ça, il mérite à ce que vous gagnez un conseil qui est en place, qui est capable de faire travail ça ensemble avec vous. Donc, maternité là, c'est la première visite conseil présidentiel là, depuis le monté. Ce n'est pas la dernière visite, tout. On a toujours été capable de visiter et make sure que tout bagaille est capable de remplacer rapidement. Et puis, de telle sorte que l'année prochaine, par exemple, capable d'être en Haïti, il y a un véritable chantier électoral pour nous capables d'arriver avec date que nous disons 7 février 2026 pour nous capables d'avoir un président élu dans tel pays. Conformément ensemble avec ça, la loi. Nous avons passé un bon titre avec eux, nous parlons, nous tendons, et de l'OIS que vous baillez, et de l'OIS que vous avez continué à nous, et nous avons fait tout ça qui dépend de nous, bon côté nous, pour nous capables de travailler ensemble avec eux. Et surtout que nous connaissons aussi que nous, le conseil présidentiel il y a à peine nommé le docteur Gary Colin comme premier ministre de la transition. Nous allons rapidement monter ensemble avec lui le gouvernement pour nous capables de travailler ensemble en étroite en parfaite cohésion pour nous capables de mettre PIA sous voie stabilité et doter PIA aussi de toutes des présidents et des parlements de toutes leurs postes qui doivent élu dans le pays. Merci beaucoup de ce que nous t'ai fait déplacement pour nous être capables de venir et assister ensemble avec Visite Sahara, que nous nous rendons ensemble avec le conseil électoral là. Nous remercions sincèrement et nous connaissons toujours ensemble avec nous la presse. Nous aimons en pile et nous pas décider de travailler sans la presse. C'est peut-être ça bientôt, mais en petit temps qui tout coûte, nous connaît officiellement un porte-parole que le conseil présidentiel l'a nommé. Et c'est lui-même qui parle pour faire pont ensemble avec vous et qui a toujours été en communication avec vous. Pour tout ça qu'a fait, tout ça qu'a passé dans le conseil. Nous ne voulons pas faire un yé sans nous-mêmes, nous ne voulons pas quitter nous derrière, nous voulons former nous sur tout ça qu'a fait dans la plus grande transparence pour la presse et la population capable de connaître tout ça qui doit faire. Merci beaucoup d'être nous là. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse Haïti.
Voilà, amis internautes, nous sommes là nous, au niveau de Pétionville, côté que nous venons constater et venons et assister dans une conférence pour la presse, un conseiller présidentiel, Tabay, jeudi à là, dans le local KIPA. Alors, notre objectif est pour annoncer grand public, côté que nous allons faire élection, nous allons camper contre l'électorat là, dans le jour qui vient pour venir. Alors, c'est pour ça que nous avons constaté et nous avons regardé qui gens et interventions ont déroulé, qui gens ont fait. Et c'est le moment où ça a été. Alors, nous connaissons, dans l'idée pour être capable de faire tout ça qui est honnête, faire tout ça qui est capable, faire la population qu'on est, dans le jour qui est pour venir, et puis nous camper le conseil électoral là, et puis par la suite, nous sommes capables de mettre camper et faire élection en 2026, qui est pour venir, pour capable de mettre le président dans le pays. On a annoncé presque tout bureau de vote presque pas existé. Là nous constatons dans la zone métropolitaine, pourquoi pas dans le département de l'Ouest, la majorité des zones qui ont bureau de vote, ça a presque tourné territoire perdu, dans la zone territoire perdu. Est-ce qu'il y a une élection pour zone ça? Ça c'est une grande question que la population a posée. Est-ce qu'il y a une élection pour Cité Soleil, Matisse, Belé, Delmabi, La Saline? Est-ce qu'il y a une élection pour Mounsaïo? Eh bien, nous pourquoi est mes conseillers et conseillers présidentiels là, les annoncer dans le jour qu'il y a gagné yo bagay qui fait quand même dans l'idée pour capable faire élection dans jour qui gè pour dans année ou bien dans jour qui gè pour venir ou bien dans mois qui gè pour venir pour nous ta dit. Donc c'est comme ça nous même nous t'es sur place nous t'es venu observer, nous t'es venu dans des conférences de presse là, nous t'es venu dans des salles ta dit. Alors en résumé, il fait qu'on est et pral gagner et pral gagner conseil électoral là qui gè pour camper tout suite. Et puis il fait qu'on est tout et conseiller présidentiel là il été nommé Docteur Gary Conny comme premier ministre. Ça veut dire des conseils avec Gary Conny, il va le mettre tête ensemble pour capable faire ensemble bagaille pour capable faire élection, pour capable faire camper conseil électoral là. C'est dans le contexte là, il même était venu parler jeudi à là pour te annoncer grand public là conseil électoral là pour camper un jour qui est pour venir là. Et puis après pour le gagner élection tout de suite à gagner élection dans le pays. Donc nous connaissons et nous-mêmes depuis des informations, on est toujours là pour nous porter des informations, pour nous charger des informations, pour nous porter pour le grand public, nos amis internautes, nous sommes là pour nous capables d'informer nous de tout ce qui a fait dans le pays d'Haïti. Nous connaissons nous dans Pétionville, nous au niveau du conseil, nous au niveau de KIPA, donc nous sommes capables de venir attendre le conseil présidentiel qui a fait une grande conférence de presse.
Je vais aller à la banque. Voilà. Regarde. Mmh. Mmh.